Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à cet écrit, le magazine consacré aux livres sur la RTB. Ce soir, nous sommes avec M. Alain Thomas Kouéfé. Il est auteur d'une série de livres sur l'Afrique noire, une série pour mieux se connaître, pour mieux se valoriser. Alain Thomas Kouéfé, bonsoir. Bonsoir. Vos livres, comment on peut les qualifier? Est-ce que c'est une collection? C'est quoi concrètement? Alors, ces livres sont en fait une collection qui retrace l'histoire de l'Afrique, mais pas celle que vous allez retrouver dans les livres actuels, dans les pays africains ou dans les écoles, etc. Ces livres, en fait, donnent des réponses à des questions que beaucoup de gens ont, mais que vous n'allez pas retrouver dans le système éducatif africain. À l'origine, vous êtes historien de formation? Non, à l'origine, j'ai un master en gestion d'entreprise et un bachelor en économie. Mais ma passion depuis ces 10 dernières années était de retrouver un peu l'histoire de l'Afrique et de savoir un peu d'où je viens, d'où nous venons. Oui, et il y a 5 ouvrages dans cette collection. Et d'abord, vous avez commencé par l'origine noire de l'Afrique noire. Est-ce que ce n'est pas une redondance? Non, pas vraiment. Parce qu'en fait, malgré que la plupart d'entre nous savent que l'origine de l'humanité est en Afrique, beaucoup de gens ne le savent pas. Et beaucoup de gens ne le croient pas. Soit parce que ce n'est pas écrit, soit parce qu'il n'y a pas de preuves. Donc tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai apporté ma pierre, j'ai apporté une petite connaissance. Et on se rend compte qu'au-delà, par exemple, des informations, au-delà des connaissances historiques qu'on peut avoir, vous y avez ajouté des images, vous y avez ajouté un certain nombre de démonstrations, et donc vous êtes allé au-delà de la science historique qu'on peut avoir. C'est comme si vous nous gratifiez d'une œuvre totale, une œuvre complète sur l'Afrique. Tout à fait. Alors le travail que je fais, c'est un travail qui est très détaillé. Je le fais de cette façon, de manière scientifique, pour éviter que les gens démentissent ou bien donnent des contre-vérités. Donc je fais un travail de profondeur. Mmh. Donc d'abord, le premier livre, c'est Afrique noire, origine. Le second, c'est Introduction à 20 écritures africaines. C'est bien ça? C'est bien ça. Ensuite, vous avez également produit l'origine de la Grèce ancienne et puis l'origine africaine de la Vierge Marie et de Jésus et puis aussi l'origine africaine de l'islam. Oui, tout à fait. Alors, l'Afrique noire, origine, ce livre répond à certaines questions parce que généralement dans les livres sur l'Afrique de l'Ouest, on commence uniquement avec l'Empire du Ghana, l'Empire du Mali, l'Empire Mossi. Mais cette partie de l'histoire, c'est ce qu'on appelle la période médiévale. Alors, qu'existait-il avant la période médiévale? C'est ce qu'on appelle l'Antiquité. Et avant l'Antiquité, c'est la préhistoire. Mais on n'en parle pas. On n'écrit pas dessus. Alors, j'ai répondu à ces questions. Je parle de la préhistoire et de l'Antiquité de l'Afrique. Et aussi, je réserve un chapitre qui est très important, dans lequel je ramène l'Afrique de l'Ouest à ses vraies origines. Et vous avez découvert quoi? Alors, j'ai découvert que les Africains de l'Ouest viennent de l'Est. Parce qu'il y a à peu près 10 000 ans de cela, l'Afrique de l'Ouest n'existait pas. Elle était sous la mer, qu'on appelle la mer Néo-Tétis, qui, après 2000 ans, a commencé à reculer. Et c'est cette mer qu'on connaît aujourd'hui comme étant la mer Méditerranée. Mais à cette époque-là, le seul endroit sur Terre où vous allez retrouver des Africains, des civilisations, ce n'est uniquement qu'en Afrique de l'Est, c'est-à-dire dans la région des sources du Nil, comme le Burundi, le Rwanda, le Congo, et au niveau du Nil, le Nil bleu, le Nil blanc, mais aussi dans la vallée du Nil, avec la civilisation que pratiquement tout le monde connaît, qui s'appelle l'Ancienne Égypte. Et vous avez aussi pas parlé seulement de l'Égypte antique ou de l'origine antique de l'Afrique, vous y avez parlé aussi un peu des peuples qui font de leur origine, de comment ces hommes sont arrivés là. Vous avez évoqué les Peuls, vous avez évoqué les Dogons, vous avez évoqué les Séninkés, ou pratiquement tous ces grands peuples qui ont marqué l'histoire de l'Afrique noire.
Oui, tout à fait. Alors, si vous voulez, par exemple, apprendre sur les Peuls, sur les Dogons, etc., il y a des livres. Mais on ne parle pas de leurs origines. On ne dit pas d'où est-ce qu'ils viennent, d'où est-ce qu'ils détiennent leur savoir. Ça, ce sont des questions aussi qui sont importantes. Donc, ce que je fais, c'est que je retrace ces peuples-là à leurs origines. Votre travail est scientifique. Tout à fait. Est-ce qu'il est historique? Alors, la façon dont j'écris mes livres, je les écris de façon à ce que ce soit accessible à tout âge. Une personne âgée, un adolescent, un enfant peuvent prendre ces livres, les lire et les comprendre. Mais j'apporte énormément de détails parce que j'ai toujours une approche scientifique de la façon avec laquelle j'écris les livres. Et on a comme l'impression que vous avez une obsession, vous êtes obsédé par l'Afrique noire. Est-ce que cette obsession ne cache pas mal un complexe? Vous savez, c'est une très bonne question. Donc la réponse à cette question, c'est non. Je n'ai pas d'obsession sur l'Afrique. C'est juste que quand j'étais plus jeune, il y a énormément de questions que j'avais, mais je n'avais personne autour de moi qui pouvait répondre à ces questions-là. Alors ça m'a pris énormément de temps avant que je trouve ces réponses. Et un jour, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ce savoir-là? Généralement, lorsque j'ai des conversations avec les gens autour de moi, on n'est très souvent pas sur la même page quand on parle de l'Afrique, parce que j'ai des connaissances que les autres n'ont pas. La meilleure façon pour moi de faire passer ces connaissances aujourd'hui, c'est de donner ces informations à travers des livres. Et vous avez eu ces connaissances? Alors, je lis tout le temps. Je lis énormément. Je peux lire à peu près une dizaine de livres par mois. Et j'ai aussi eu l'opportunité de voyager. Et c'est à travers ces voyages-là que je me suis rendu compte qu'en fait, l'Afrique n'est pas ce qu'on connaît, ce qu'on nous fait penser. Je vous donne un exemple. Dans l'Antiquité de l'Afrique, l'Afrique noire, ses limites se trouvaient dans les Pyrénées, dans la partie ibérienne, c'est-à-dire Portugal. Espagne, dans le sud de la Russie, c'est-à-dire tout ce qui est les Balkans, Turkménistan, Tadjikistan, Pakistan, l'Inde, le sud de la Chine, mais aussi toute la partie de l'Asie du Sud-Est, et ainsi que l'Australie. Toutes ces régions étaient appelées l'Afrique noire. Aujourd'hui, ces régions se trouvent sous le Sahara. Alors, il y a quand même des questions à se poser, il y a quand même des réponses à donner. Oui, des questions à se poser, des réponses à donner, et on se rend compte que c'est les Africains qui cherchent toujours à prouver qu'ils sont quelque chose. Ah, ben écoutez, je n'essaie pas de prouver qu'il y a quelque chose, mais c'est que quand on vous apprend des choses qui ne sont pas vraies, lorsqu'on vous laisse faire croire des idées qui ne sont pas vraies, alors si vous avez l'opportunité à un moment de découvrir ces réponses-là et que vous regardez autour de vous et que vous voyez que les gens qui sont autour de vous n'ont pas ces réponses-là, peut-être que votre devoir, quelque part, est d'apporter un certain savoir, certaines informations pour amener les gens à une certaine histoire commune, un certain sens commun, etc. On va revenir, Alain Thomas Kouéfé, sur un peu vos livres. D'abord, le tout premier, où vous parlez de l'Afrique noire et de son origine. À quoi tient votre thèse, votre idée centrale? Alors, l'idée centrale, c'est de ramener tous les peuples africains vers une origine unique. Alors, ce n'était pas mon but, mais finalement, au cours de mes recherches et de mes voyages, c'est ce but-là qui s'est créé. Donc il y a une différence entre ce que moi je voulais faire et ce qui a été fait. Ce qui a été fait, c'est que je n'ai pas eu le choix mais de ramener l'Afrique à une origine commune, parce que l'Afrique n'a qu'une origine commune. Et on le voit dans votre ouvrage, il y a un certain nombre de similitudes entre les cultures antiques des Africains et ce qui se passe aujourd'hui. Quand on prend ne serait-ce que du point de vue de la coiffure ou du point de vue d'un certain nombre de savoir-être. Et vous l'avez démontré, pas seulement avec des figurines de l'Antiquité, mais aussi avec des photos actualisées. Oui, bien sûr. Alors, quand j'écris, j'apporte toujours des images, c'est-à-dire du visuel à l'écriture, parce que ça permet aux gens de savoir que les choses existent. Alors, lorsqu'on nous parle des différents peuples qui existent aujourd'hui en Afrique, si vous retracez leurs origines, c'est en Afrique de l'Est. Alors, il est important que les gens le sachent.
Vous parlez aussi de l'origine africaine de la Vierge Marie et de Jésus. Oui, alors ce livre est très intéressant parce que j'ai découvert des statues de la Vierge Marie, mais qui sont de couleur noire. La Vierge Marie est de couleur noire et Jésus est de couleur noire. La question à se poser, c'est pourquoi est-ce que ces statues existent et pourquoi nous ne le savons pas. Alors, lorsque vous partez, par exemple, dans presque toutes les églises européennes, c'est-à-dire en France, en Suisse, en Espagne, au Portugal, en Russie, en Pologne, etc., vous allez retrouver les statues de la Vierge Noire. Oui, à la page 36 de ce livre, vous parlez de Notre-Dame du Pilier, oui. La cathédrale de Chartres, oui. C'est en France, oui. Ou encore Notre-Dame du Pilier, après oui. Rénovation, oui. En fait, qui n'est plus noir. Voilà, tout à fait. Alors, j'essaie de répondre à certaines questions. Par exemple, pourquoi ces statues existent, qui les a fabriquées et pourquoi on n'en parle pas. Par exemple, lorsque vous voulez voir certaines statues de la Vierge Noire, vous devez faire un rendez-vous. Si le rendez-vous vous est accordé, alors vous y allez, puis il y a une cérémonie. Au cours de la cérémonie, on va mettre de la musique, vous allez vous prosterner, la Vierge Marie Noire sera amenée à vos pieds, vous allez prier, laisser des bijoux, un peu d'argent, etc. Et ensuite, elle est cachée. Mais lorsque vous rentrez dans cette église, la Vierge Marie Blanche est là. Elle est accessible à tout le monde. Mais la Vierge Marie Noire ne l'est pas. Pourquoi ? Parce que l'une des réponses, c'est que c'est la représentation la plus ancienne de la Vierge Marie. Et ces représentations sont très sacrées. Et les gens qui s'en occupent, souvent, ne savent pas ou ont oublié ou refusent de dire leurs origines. Vous parlez par exemple de la Madone Noire d'Anjoli, oui. Le château d'Anjoli en France. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Il y a aussi que, quelque part, vous avez l'origine africaine de la Grèce ancienne. Oui, alors nous parlons généralement de la Grèce comme étant l'origine de la civilisation européenne, c'est bien. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les trois premières civilisations de la péninsule grecque sont africaines, elles sont noires, et elles sont d'origine kémétique, c'est-à-dire égyptienne. Et ce sont des choses que les gens ne savent pas. Alors par exemple, lorsque je vais dans les musées, là où j'ai tiré ces photos, et dans chaque livre il y a à peu près entre 20 et 25 photos, je découvre ces images, mais il faut les interpréter. Pourquoi est-ce qu'il y a des images noires dans la Grèce ancienne? Je réponds à ces questions. On a les styles de cheveux, par exemple, et coiffure en Nubie et au Kemet. Bien sûr. Et vous en avez aussi pratiquement plein d'autres, notamment au niveau de l'écriture. Tout à fait. Voilà. Donc, vous y démontrez qu'en réalité, ce que vous dites a du sens parce que vous avez des preuves de ce que vous avancez. Tout à fait. Ma démarche est toujours. J'écris de façon à ce que. Les livres soient accessibles à tout âge. Mais derrière ça, il y a toujours une démarche scientifique parce qu'il faut bien faire les choses. Donc j'apporte beaucoup de détails. Lorsque nous parlons par exemple des coiffures et des images que nous avons, nous voyons bien que les artistes qui les ont créées avaient une panoplie, une plénitude de visages africains sur lesquels ils pouvaient s'inspirer. Il y a aussi, en dehors de ça, vous ne vous limitez pas que seulement à la Grèce ancienne, vous parlez aussi des vingt écritures africaines. Oui, ce qui est intéressant avec l'histoire de l'Afrique, c'est que depuis la période coloniale, on nous dit que l'Afrique n'a jamais eu d'écriture. Bon, ce n'est pas vrai, puisque l'Afrique a écrit. Dans mes recherches, j'ai retrouvé 20 écritures d'origine africaine d'avant la période précoloniale, d'avant la période coloniale. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la colonisation n'est que le détachement d'un individu, dans notre cas l'Africain, de sa culture. On le fait sous plusieurs manières. On peut dire par exemple, on peut empêcher par exemple ou interdire les parents d'envoyer les enfants dans les écoles traditionnelles. Alors on les détache de leur culture. Et en même temps, on peut isoler les personnes qui savent écrire dans les écritures traditionnelles ou on les fait disparaître. Alors à ce moment-là, naît le mythe, à la fois chez les Européens qui écrivent énormément en disant que l'Afrique n'a pas de culture et chez les Africains qui finalement absorbent ce mythe. Et qui pensent réellement que l'Afrique n'a pas eu d'histoire, alors n'a pas eu d'écriture, alors qu'elle en a eu. Et vous parlez par exemple de la première écriture, le Mdjou Nedjé. Oui, oui, tout à fait. C'est... Tout à fait. Le Mdjou Nedjé est l'écriture qu'on appelle aujourd'hui hiéroglyphe. Mais il faut se rappeler que hiéroglyphe est un nom donné par les Romains, par les Grecs aussi. Alors, ce n'est pas intéressant parce que ça cache l'origine africaine de cette écriture. Il est préférable d'appeler cette écriture par son vrai nom que de l'appeler
par un nom d'emprunt. Vous parlez aussi du Sumérien? Oui, alors. Qui a disparu? Oui, tout à fait. Les Sumériens ne sont en fait que des anciens Égyptiens qui se sont installés à côté des individus qu'ils ont créés, les Medjugorje. Et du fait de leur environnement, ont inventé une culture qui est différente. Mais leurs origines sont toutes les mêmes. La hiératique également, c'est une de vos écritures. Tout à fait, qui est une variante du Medjugorje. Oui. Et puis vous parlez de Titinac, je ne sais pas si je prononce bien. Vous parlez aussi de l'arabe, vous parlez de l'alphabet grec. Oui. Tout ça qui sont d'origine africaine. Africaine. Ah oui, bien évidemment. Alors. Lorsque j'écris que l'écriture grecque est d'origine africaine, c'est quelque chose qui porte à débat. Parce que tout simplement, on ne veut pas accepter aujourd'hui qu'il y ait eu des influences africaines dans les sociétés européennes. Pourtant, il y en a eu. Alors, dans les écrits les plus anciens qui existent, et d'ailleurs ça a déjà été écrit il y a 200 ans, 300 ans, et bien avant cela, les Grecs qui vivaient sur la péninsule grecque ont eu énormément de problèmes, que ce soit des attaques extérieures ou que ce soit des désastres naturels qui ont détruit leur société. Et les personnes qui sont venues pour relancer leur civilisation sont d'origine africaine. Vous parlez aussi de l'origine africaine de l'islam. Oui, bien évidemment. Et ça également, ça prête à débat aujourd'hui entre les Arabes et l'Afrique. D'où c'est la connexion, c'est bon. C'est à partir des camps ou la déconnexion, c'est à partir des camps. Oh, la déconnexion se crée lorsque nous passons de l'arabe noir à l'arabe blanc. C'est à ce moment-là que nous avons une déconnexion totale avec l'islam et avec ses origines africaines. Parce que lorsque vous regardez par exemple les textes les plus anciens sur l'islam, tous les prophètes sont d'origine africaine. Je n'ai pas inventé, c'est écrit. Et c'est écrit, ça a été écrit plusieurs fois bien avant moi. Et ça a été écrit plusieurs fois dans l'Antiquité. Alors je ne fais qu'apporter ces anciennes informations dans le contexte actuel. Et j'apporte aussi mes propres informations. Alain Thomas Kouefoué, est-ce que vous n'avez pas des problèmes avec les historiens? Ou peut-être les religieux, les théologiens? Je pense que ce que j'écris, il peut être difficile à beaucoup de gens d'accepter. Parce que lorsque vous grandissez avec une narrative précise, c'est très difficile à changer. Et les gens s'accrochent généralement à ce qu'ils savent déjà. Les gens sont généralement conservateurs. Le changement est un peu contraire à la personne humaine. Malgré cela, il existe des jeunes générations qui sont ouvertes et qui veulent savoir réellement d'où elles viennent, qui elles sont. Et c'est à eux que je parle. Mais je parle aussi aux théologiens, je parle aussi aux personnes religieuses, je parle aussi aux historiens, je parle à tout le monde. Et est-ce que vous êtes prêt à pouvoir ouvrir un débat avec d'autres qui veulent éprouver, ou peut-être dans le but d'éprouver votre science, dans le but d'éprouver votre thèse, vos théories? Alors, ce que j'écris, ce ne sont pas des théories. Ce que j'écris, ce sont des faits, et les faits sont vérifiables. C'est cette seule perspective que j'utilise. Je n'écris pas sur la théorie. Si je pense quelque chose, je ne l'écris pas jusqu'à ce que ce soit vérifié. Vous estimez que votre science a une certaine capacité de pouvoir, une certaine autonomie, une certaine maturation et donc, elle n'a pas besoin d'être éprouvée. Ben, pour répondre à votre question, je peux vous dire que je suis prêt à discuter, à débattre avec toute personne qui estime, qui soit d'accord ou qui ne soit pas d'accord avec ce que j'écris. Il n'y a aucun problème à cela. Nous avons tous des opinions différentes,
mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'accorder sur certaines choses. Oui, mais où est-ce qu'on peut trouver ces ouvrages, Awaga? Alors, ces ouvrages, vous pouvez les trouver à Jeunesse d'Afrique, en face de la cathédrale, et vous pouvez aussi les acheter directement sur le site Sankofa, sur la page Facebook Sankofa, et vous pouvez aussi appeler le 58 69 87 38, je répète le 58 69 87 38, et faire des commandes. Merci à vous, Alain Thomas Kouéfé, d'être venu. Vous avez quand même un profil assez atypique. Vous êtes formé pour gérer des chiffres, pour discuter de questions d'économie. Et vous ne faites pas d'économie de votre débauche intellectuelle et d'inspiration. Et voilà. Alors, votre remarque est très pertinente. Parce qu'en fait, même si je n'ai pas étudié, même si je donne l'impression d'avoir fait un parcours différent avant d'arriver au livre, il faut aussi dire que ces livres sont d'ordre mathématique, c'est d'ordre scientifique, c'est écrit dans les détails. Donc, même si j'ai étudié d'une certaine manière, ce que j'ai étudié m'a aidé énormément pour pouvoir présenter un travail comme celui que j'ai fait. Au départ, je n'avais idée que d'écrire un seul livre. Après, les livres se sont multipliés et sont devenus 5. Et aujourd'hui, j'en ai écrit 8. Merci d'être venu partager le contenu de vos ouvrages avec nous. On vous recevra certainement d'autres fois pour aller au fond de votre pensée, de vos idées, mais aussi de votre opinion sur l'Afrique, mais aussi sur l'Africain. Merci d'être venu. Merci de m'avoir reçu. Voilà, c'est tout pour cet écrit de ce soir. Merci à vous pour votre attention et à très bientôt pour un autre numéro. Au revoir.